Le besoin d'une onction spéciale du Saint-Esprit sur tous les frères pour une pratique efficace de la formation des disciples est l'un des points importants qui a été traité au cours de cette croisade du ministère à l'église d'Abidjan. En effet, les dirigeants que nous demandons à Dieu qui doivent nous aider à accomplir notre but sont avant tout des faiseurs de disciples, des ministres de Dieu qui ont une solide assise dans l'art de bâtir les hommes. Cette croisade vient donc à propos pour le pasteur Meunier qui s'est saisi de l'occasion pour tenir une rencontre spéciale avec ses disciples qui ne siègent pas au collège des anciens. C'est ce mercredi 15 novembre entre midi et 2 au siège de la CMCI Côte d'Ivoire assise à Adjamé. Cela a été l'occasion pour le pasteur Meunier de rappeler quelques éléments de base de la formation des disciples. En effet, la formation des disciples, c'est l'art de transformer les hommes. Elle s'exerce suivant un processus qui va du fait de prendre un pécheur perdu pour le conduire à la conversion en Christ jusqu'à faire de lui un esclave de Dieu et de tous les hommes. Le païen doit abandonner le péché radicalement et rejeter le monde. Rejeter le monde. Et ce païen qui a abandonné le péché, qui a rejeté le monde, doit être transformé en jeune disciple. C'est-à-dire en quelqu'un qui a la volonté et l'intelligence pour te suivre et pour faire comme toi. Il a la volonté et l'intelligence. Il n'a rien fait. Qui puisse le qualifier. Tout ce qu'il a, c'est une volonté ferme de te suivre et de faire comme toi. Dès qu'il prend cette décision de te suivre et de faire comme toi, tu fais tout pour ne pas être son devin. Tu commences à lui montrer le chemin de la rencontre avec Dieu. Et ça, c'est très important. Tu dois payer le prix pour qu'il sache qu'il y a un Dieu au-dessus de toi et un Dieu au-dessus de lui. Le Frésard disait, ne devenez pas les devins des gens. Ne remplace pas Dieu dans la vie du disciple. Le jeune disciple devient mûr quand on lui donne les instruments de travail pour avoir une relation personnelle avec Dieu. Et le premier outil de travail, c'est la Bible. C'est la Bible. Il doit lire le Nouveau Testament. Là, ça dépend du conseiller. Mais nous avons trouvé bon d'appliquer ce que certains ont appliqué. Il doit lire le Nouveau Testament deux fois. La première lecture est rapide de Jean jusqu'à Apocalypse. Et la deuxième lecture est une lecture de réflexion de Matthieu à Apocalypse. Un autre outil que tu dois lui donner, c'est comment méditer la parole. Comment travailler la parole pour que l'esprit, ton esprit, discerne un message que Dieu veut te donner. La méditation, c'est cet art de se laisser exhorter directement par le Saint-Esprit à travers les Écritures. C'est pour cette raison que la Bible parle de la méditation de la parole. Je ne loue pas, je ne recommande pas les méditations libres. C'est-à-dire, tu te mets à genoux, tu prends le truc, tu écris ce que tu sens en toi. Ce n'est pas ça la méditation. On médite la parole. Il dit, médite-le jour et nuit. Et David dit qu'il devient sage parce qu'il médite la loi de l'Éternel. Donc il prend les 10 commandements, il médite sur le premier. Il médite. Il laisse son esprit capter l'enseignement que le Saint-Esprit donne à son intuition. La qualité de la méditation dépend de la lucidité, de la clarté avec laquelle tu perçois les signes, les signaux du Saint-Esprit dans ton intuition. Et
Et on peut donc dire que Dieu nous a rencontrés. Et on peut donc parler d'une rencontre dynamique. Le temps que tu passes avec Dieu, dans les Écritures, dans la prière, on appelle ça les rencontres dynamiques. Tu chantes, tu rends grâce à Dieu, tu pries, tu lis un passage, tu médites. Ce temps-là, c'est ça qu'on appelle les rencontres dynamiques. Après, ce disciple qui apprend à lire, à étudier, tu lui montres comment on prie. Tu lui montres comment on jeûne. Tu lui montres comment on gère le temps. C'est-à-dire comment on établit un emploi de temps. Tu lui montres comment on rend compte. Un disciple mûr, il est responsable, il rend compte. Il gère, il a un budget, il a des lignes dans lesquelles il affecte le budget, son argent, comment il dépense son argent. Le disciple mûr est appelé à devenir un faiseur de disciples, bâtissant lui aussi d'autres disciples. Le disciple étant devenu un faiseur de disciples, c'est lui qui le bâtit doit faire de lui un co-ouvrier. C'est lui un ouvrier, tu peux lui donner une partie de ton travail. Si tu diriges les assemblées, tu peux lui donner une assemblée. Tout ce que tu sais faire, tu lui montres. Si tu sais chasser les démons, tu lui montres tout. Tu ne caches pas. Tu pries beaucoup pour lui. Et tu lui montres le chemin de la grandeur. Tu lui montres comment on sert quelqu'un en devenant son fils ou sa fille. Le co-ouvrier doit devenir un fils. Après que tu aies fait de quelqu'un un co-ouvrier, on le bâtit comme un fils. C'est-à-dire qu'on lui montre le chemin. Bâtir ici, c'est l'art de lui montrer tous les chemins, même le chemin de la perdition. Et tu lui dis que si tu fais ça, tu vas mourir. Et là, il n'y a pas de fin. Ça, chaque jour, c'est des avertissements, c'est des corrections, des avertissements, des corrections. Parce que tu veux que la personne reste avec toi. Donc la manière d'enseigner change. Et le fils doit devenir un esclave de Dieu et de tous les hommes. Quand tu es un vrai serviteur, tu sers Dieu, tu sers l'homme, et tu sers tous les doigts. Tu les sers. Donc tu deviens un esclave. Et au ciel, tu es le premier. Si tu prêches l'évangile à quelqu'un, tu n'arrives pas à faire de lui un esclave de Dieu, un esclave de tous les hommes, tu n'as pas atteint le but fondamental. Et c'est ça le but fondamental. L'assemblée des disciples présents ayant été munie de ces éléments de base du processus de la formation des disciples et de leur implication, le pasteur Meunier pouvait donc donner des orientations à ses disciples pouvant leur permettre de mieux se fixer dans les échelons à gravir dans ce processus expliqué. En effet, les disciples du pasteur Meunier étant censés avoir tous franchi le stade de jeunes disciples et ayant même atteint le stade de faiseur de disciples, la plupart étant des dirigeants, le pasteur Meunier les invita tous à développer avec lui une relation de co-ouvrier et plus encore de fils et de filles. Il expliqua à ce niveau que les proportions qu'a atteint l'Église en termes d'effectifs ne peuvent certes plus lui permettre d'accorder des rencontres individuelles d'une certaine envergure à ses disciples pour la résolution de certains besoins de formation et de soins rudimentaires. C'est pourquoi ceux-ci doivent se rassurer d'être principalement à toutes les nuits de prière du vendredi et les cours de formation des dirigeants spirituels des mardis. Et dans la mesure du possible, tous les programmes où le pasteur Meunier rend ministère, car c'est dans de tels cadres qu'ils peuvent puiser la formation pour leur maturation. Car l'une des principales responsabilités du faiseur de disciples, c'est de mettre à la disposition du disciple des outils pouvant lui permettre d'entretenir efficacement sa communion avec Dieu
entré dans son appel et l'accomplit de manière fructueuse. Le pasteur Meunier a invité ainsi tous ses disciples à se constituer comme des co-ouvriers. Il leur donna rendez-vous pour une prochaine rencontre du genre pour déjà planifier les objectifs de l'année prochaine. C'est visiblement avec beaucoup de satisfaction et d'édification que les frères sont sortis de cette rencontre spéciale. Et nous repartons regaillardis, encouragés, fortifiés dans l'homme intérieur et surtout engagés à l'aider autant que cela se peut à notre niveau, avec nos capacités, pour faire l'œuvre que notre Père nous a confiée. Et je pense que tous ceux qui sont là rentrent guéris. Et zélé encore pour l'œuvre. En tout cas, pour ma part, je suis béni. Je suis encouragé et je suis béni. Je sais où me tenir pour que mon faiseur de disciples aille de l'avant. C'est ça, en fait. Cette rencontre avec le faiseur de disciples, pour moi déjà, c'est une rencontre qui renoue la chaleur qu'un disciple a avec son faiseur de disciples. Et nous repartons aujourd'hui avec une pensée claire, une idée claire de ce que le faire d'ici veut. Et nous devrons payer le prix pour être aux rencontres avec lui. Nous devons payer le prix pour servir Dieu, pour réjouir son cœur et permettre que le but, c'est-à-dire l'appel de Dieu dans sa vie, soit un grand succès. Nous devons tous devenir des serviteurs. Nous devons tous parvenir à la perfection, à la sainteté, afin de pouvoir réussir dans la paix de Dieu. Et là, une chose qui est claire, c'est qu'on doit vraiment supplier Dieu d'ouvrir nos yeux afin que nous voyons la tâche à assigner, afin que nous puissions nous mettre au travail. Parce qu'il a dit qu'on ne nomme pas les gens, mais on identifie, chacun émerge, on identifie, on recrute. Et il faut voir pour pouvoir travailler afin que tu sois identifié et que tu sois recruté. Donc on doit aller prier, supplier Dieu, que nos yeux s'ouvrent, que nous voyons le besoin, nous voyons là où nous devrons travailler afin que Dieu puisse nous recruter pour pouvoir réjouir vraiment le cœur de Dieu et le cœur de notre faiseur disciple. Voilà ce que moi je peux retenir à cette rencontre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce que je retiens, c'est que nous devons être serviteurs, être des esclaves. Donc on ne doit pas attendre que le faiseur des disciples parte nous chercher. Et c'est aussi un appel que je lance à tous les disciples de pasteur Meunier qui n'ont pas eu l'occasion de venir à cette rencontre parce que le temps a manqué pour qu'ils soient informés, de ne pas attendre, mais de chercher leur faiseur de disciples. Qu'ils aient compassion, vu le travail, la charge qu'il a. Il est le faiseur de disciples de toute la Côte d'Ivoire. Et chaque brebis a besoin de ses soins. Mais nous, en tant que disciples du pasteur, nous devons être à côté pour l'aider dans cette tâche. Et si tu es à côté d'un père, tu vas toujours voir comment il fait et tu seras un bon serviteur et un bon disciple. Donc c'est tout ce que je retiens. Et j'appelle tous les disciples à ne plus s'éloigner de leur faiseur de disciples. Même si tu viens une fois que tu n'as pas été reçu, deuxième fois, troisième fois, c'est tout ça là la formation. Nous sommes des soldats, dont le soldat il est endurant. Dont le faiseur et le disciple, le pasteur Meunier, doit aussi être un homme endurant, comme l'est son faiseur de disciples, un travailleur dur. Et le frère Zach nous a appris l'art de travailler dur. Nous sommes avec son fils et nous devons aussi être des enfants, des modèles dans l'art de travailler dur. Donc il faut chercher. Et un jour, tu seras comme ton faiseur de disciples. Moi particulièrement, j'ai été bénie parce que pendant qu'il parlait, nous sommes rendus compte que au niveau où notre faiseur de disciples est arrivé, nous devons nous-mêmes nous mettre à ses côtés pour l'aider à réussir. Et que nous ne devons pas rester là à pleurnicher, à chercher que ce soit lui qui nous cherche, ce soit lui qui s'inquiète pour nous. Parce que nous avons le privilège, non seulement en tant que disciples, d'avoir les enseignements au même titre que les autres quand ils libèrent les enseignements. Et ça m'a véritablement fait du bien. Et je pars avec beaucoup de résolution que désormais, je ne vais pas me faire chercher. Je vais chercher mon frère disciple et je vais travailler de toute sorte à ce que
qu'il soit content de moi. Je vais travailler de sorte à ce qu'il, à ce que je puisse émerger et qu'il puisse m'utiliser. En fait, en résumé, c'est ce que je retiens de cette rencontre. Amen.